Salut les amis et bienvenue sur l'Orée Jaune. Aujourd'hui, on part sur du sucré avec une petite recette de noix de coco confit que vous connaissez certainement si vous fréquentez assidûment des restaurants asiatiques. Dans le cas contraire, c'est l'occasion ou jamais. Pour cela, il nous faudra seulement que deux ingrédients, de la noix de coco et du sucre. Et oui, deux seulement. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. On commence par casser la noix de coco en deux, à l'aide du dos de votre plus gros couteau. Dans le cas contraire, passez au marteau et tapez tout autour de la noix. Une fissure va apparaître et finalisez l'ouverture à l'aide de la pointe du couteau. Débarrasser de son eau. Recasser en deux pour faciliter l'extraction de la chair. À l'aide d'un couteau d'office, attention à vos doigts. Retirez avec un économe la peau. Puis, toujours avec le même outil, faites des lamelles. Déposez le tout dans un saladier, y incorporez le sucre. On couvre d'un film plastique et on laisse dégorger au minimum 3 heures à température ambiante. On termine par la cuisson dans une casserole ou une poêle à feu moyen. Y versez tout le contenu du saladier. Et juste avant l'ébullition, lorsque les bulles se forment, on réduit le feu au minimum, très important, car il ne faut pas que ça caramélise. Remuez constamment jusqu'à l'évaporation totale de l'eau. Et on pourra constater que le sucre va se recristalliser. On pourra alors déposer toutes ces lamelles sur un plateau pour les refroidir. Ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit.